hommes et femmes que le Seigneur aime. L'Église universelle a célébré jeudi dernier la fête de l'Ascension, l'entrée du Seigneur dans le séjour de la gloire éternelle. Pour nous autres, son Église qui est dans la paroisse réformée de Thionville, nous célébrons cette fête en ce jour, ici et maintenant. Soyez donc les bienvenus en ce lieu saint où nous devons Église. C'est le Seigneur lui-même qui vous accueille et c'est encore lui qui vous bénit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans la vérité et dans l'amour. Amen. Adorons le Seigneur glorifié. Le Seigneur parle et dit: je suis issu du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais auprès du Père. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, dit celui qui est vivant au siècle des siècles. Portes, élevez donc vos linteaux, ouvrez-vous toutes grandes portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Le Christ a fait la purification des péchés et s'est assis à la gloire de Dieu dans les lieux très hauts. Le Christ est entré dans le ciel même, afin de comparaître pour nous devant la face de Dieu. Dieu a souverainement élevé Jésus. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Louez le Seigneur. Bien-aimés gens de Dieu, hommes et femmes, levons-nous, adorons le Christ glorifié en chantant le cantique, le psaume de la création.
dans la prière de louange. Seigneur Dieu, Père Saint, tu es un Dieu caché, bien que tu remplisses le ciel et la terre. Tu te dérobes à nos regards derrière le voile des choses visibles, et cependant, tu nous es proche. Tu nous maintiens en vie par ton esprit, et tu nous affranchis de la domination de ce monde périssable. Ô Dieu qui règne dans les lieux très hauts, nous commémorons en ce jour béni l'entrée de ton Christ dans le séjour de la gloire éternelle. Accorde-nous de contempler celui que tu as envoyé au milieu de nous, afin que par sa parole, il nous révèle ta grâce et nous amène à toi au travers des ténèbres du péché, des détresses et de la mort. Conduis-nous à la rencontre de notre Seigneur glorifié. Fais-nous place toujours avec lui auprès de toi, là où tu te laisses contempler dans ta sainte lumière. Sanctifie-nous, Dieu Tout-Puissant, et quand viendra l'heure, fais-nous la grâce de nous séparer sans crainte d'un monde qui s'écoule et qui meurt, et introduis-nous dans la joie de notre Seigneur Jésus-Christ, ton divin Fils. Amen. Je vous prie de reprendre place. Écoutons dans le recueillement, bien-aimé, quelle est la volonté de Dieu pour nous. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous trompons et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous laver de toute iniquité. En méditant cette volonté, nous nous sentons tous concernés. Je nous invite en conséquence à dire notre mal à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi et contre notre prochain. Nous avons accompli nos désirs coupables et égoïstes et nous avons délibérément ignoré ta sainte volonté. Nous t'avons offensé par nos pensées, nos paroles et nos actes. Nous n'avons pas agi par amour envers les hommes. Nos fautes te sont connues. Aie pitié de nous, Seigneur. Pardonne-nous à cause du sacrifice de notre Sauveur et de sa glorification. C'est notre prière en son nom béni pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons maintenant la réponse du Seigneur à notre prière. L'Éternel parle et dit: mes bontés ne sont pas épuisées, mes compassions ne sont pas achevées. Elles se renouvellent chaque matin, car inlassable est ma fidélité. Fondée sur cette parole digne d'être reçue avec entière confiance et avec assurance, j'annonce le pardon de Dieu. Et j'atteste la rémission de nos péchés au nom du Père, au nom du Fils, au nom de l'Esprit Saint, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Et toi, mon âme, bénis le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Levons-nous donc pour dire notre gratitude à Dieu en chantant le cantique « Comment ne pas te louer ?» Thank you.
communion avec l'Église universelle, confessons notre foi chrétienne telle qu'elle apparaît à l'écran. On y va. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il est sanctifié par Dieu, le Père Tout-Puissant. Il revient là-bas pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Seigneur, c'est en ton nom que nous sommes rassemblés. Nous te remercions de nous avoir appelés. Tu es la source de notre vie et l'origine de tout. Donne-nous de nous sentir proches les uns des autres et par ton Saint-Esprit, éveille en nous la joie. Tu vis et tu règnes aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. Amen. Nous lirons dans Jérémie 31, versets 31 à 34. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici, l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » La deuxième lecture se trouve dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3, les versets 14 à 21. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et la lecture de l'Évangile sera dans Luc au chapitre 24, les versets 50 à 53. Ce sont ces versets qui serviront de base à la prédication. Il les conduisit jusqu'à Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux
et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Ta parole est la vérité et la vie. Sanctifie-nous par ta parole. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter ensemble le numéro 11, Merci Seigneur. Il les conduisit jusque vers Béthanie et, ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Versets 50 et 51 du texte qui sous-tend mon message de ce jour. Bien-aimés dans la foi, recevez mon salut fraternel dans le nom du Seigneur. Il y a 3 jours, c'était l'ascension. Dit autrement, l'entrée du Seigneur dans le séjour de la gloire éternelle. Une fête chrétienne. Dimanche prochain, ce sera la Pentecôte. La Pentecôte. L'effusion de l'Esprit Saint sur les apôtres, conformément à la promesse du Fils unique. Et les textes que nous lirons ce jour-là, dimanche prochain, seront en accord parfait avec cet événement majeur et fondateur. Il me semble que ce serait dommage de ne pas parler de l'ascension qui est l'aboutissement du ministère de la croix, qui est l'aboutissement du ministère terrestre du Fils unique. Alors je le fais aujourd'hui, ici et maintenant, puisque je ne pourrai pas le faire dimanche prochain. Il me plaît d'évoquer non seulement l'événement évangélique en soi, mais aussi et surtout le sens et les conséquences que cet événement peut avoir et provoquer dans la vie du chrétien que je suis. Bien-aimés, la finale de l'évangile de Luc et du ministère terrestre de Jésus se présente de la manière suivante.
Jésus les emmena jusque vers Béthanie et, levant les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. D'autres versions disent qu'il fut emporté au ciel. D'autres encore parlent de l'élévation céleste. Mais qu'importe, qu'importe. Le sens profond est le même. Frères et sœurs dans le Seigneur, dans l'histoire du salut, voyez-vous, l'ascension n'est pas un fait nouveau. L'ascension dans l'histoire du salut n'est pas un événement nouveau. Le Premier Testament parle de deux hommes qui sont montés au ciel sans passer par la mort physique et corporelle. Enoch, dans Genèse 5, verset 24, figure de l'Église enlevée avant le jugement et le déluge. Puis Élie, la terreur et le bourreau des prophètes de Baal et des rois apostats d'Israël. Il est monté au ciel dans un tourbillon après avoir achevé son ministère terrestre. Deux Rois, chapitre 2, verset 11. Après ces deux figures emblématiques du Premier Testament, les Saintes Écritures parlent également de l'ascension du Fils unique dans le Deuxième Testament. Luc en parle deux fois dans son évangile et dans son livre intitulé « Les Actes des Apôtres ». Marc en parle également. Mais nous n'allons pas faire une lecture comparative de ces trois ascensions, celle d'Enoch, celle d'Élie et celle du Christ glorifié. Nous n'allons pas faire une lecture comparative de ces trois enlèvements. Nous allons prélever l'ascension du Seigneur de l'Église pour la poser sur la table afin de la scruter et de l'interroger à l'effet d'en faire une lecture pour aujourd'hui capable de nourrir notre foi dans notre vie de tous les jours. C'est que les Saintes Écritures s'accordent pour dire du Seigneur qu'il fut enlevé au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu. Même le credo du symbole des apôtres dit « Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu. » Dès lors, un constat se dégage, le ciel, le ciel. Quelques interrogations finissent par s'imposer et je m'en vais les formuler. Où est ce ciel dont on parle? Y aurait-il un lieu, un espace, un habitacle dans lequel Jésus est entré pour s'installer et qui aurait pour dénomination le ciel? Que dit-on lorsqu'on affirme que Jésus est monté au ciel? Quelles sont les conséquences et les exigences qui en découlent pour le chrétien que je suis? Bien-aimé dans la foi, dans les Saintes Écritures, le ciel dénote toujours la présence de Dieu. La présence de Dieu. Dieu s'est choisi un lieu qui n'est ni notre monde, ni notre univers, que nous disons, infini. Mais là où Dieu se tient, là est le ciel. Le ciel n'est donc pas un espace géographique. Inutile de parler de Dieu là-haut ou là-bas, car cela ne signifie vraiment rien, rigoureusement. Dieu ne se confond pas avec sa création. Il la transcende, car il est transcendant, c'est-à-dire qu'il est supérieur et extérieur à sa création et donc à nous. Ainsi, lorsqu'on dit de Dieu qu'il est au ciel, c'est une façon de dire qu'il est transcendant. Voyez-vous, le Dieu transcendant ne saurait se confondre avec sa créature nécessairement limitée.
Comment en effet le limité pourrait-il se confondre ou accueillir l'illimité? On ne saurait demander à une bassine, par exemple, de contenir un océan ou alors une mer, c'est impossible. Lorsque les Saintes Écritures et le symbole des apôtres disent que Jésus est monté au ciel, il signifie que Jésus est entré dans la présence même de Dieu. Il est entré dans l'intimité même de Dieu. Parce qu'il est issu du Père, il retourne au Père. Il entre dans l'intimité même du Père, après avoir accompli son ministère terrestre que le Père lui avait confié. C'est donc une façon métaphorique de dire la chose. Jésus est donc entré dans la présence de Dieu et dans l'intimité même de Dieu. Mais comment savoir que Jésus est entré dans la présence et dans l'intimité même de Dieu? Comment le savoir? Qu'est-ce qui nous autorise d'ailleurs de l'affirmer? Bien-aimé, la réponse se trouve dans la nuée. La présence de Dieu est matérialisée par la présence de la nuée lors de l'entrée du Seigneur dans le séjour de la gloire éternelle. Le texte sacré dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Une nuée le déroba à leurs yeux. Chapitre 1, verset 9. Une nuée le déroba à leurs yeux. C'est que dans les Saintes Écritures, la nuée est le signe extérieur et visible du Dieu invisible de la révélation. La nuée, nous dit le Premier Testament, précédait les Israélites en marche vers la terre promise. Symbole de la présence de Dieu, la nuée est en même temps le symbole de la sainteté et de la perfection de Dieu. Aucune créature ne pouvait approcher cette nuée ou la regarder sans danger de mort. Aucune, aucune. Lorsque cette nuée remplit le tabernacle au désert et plus tard le temple de Salomon, personne ne put y entrer. Car la présence de Dieu, voyez-vous, est inaccessible à l'homme naturel, c'est-à-dire à l'homme pécheur. Exode chapitre 40, versets 34 à 35, puis 1 Roi chapitre 8, versets 11 à 12. De même, pendant la transfiguration, il est dit qu'une nuée lumineuse les couvrit, et voici, une voix fit entendre de la nuée ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Matthieu chapitre 17, versets 5 à 7. Il est donc aisé de comprendre que cette voix qui sort de la nuée, c'est la voix de Dieu lui-même. Car la nuée est le signe extérieur et visible de la présence du Dieu invisible, le Dieu de la révélation. Elle est en même temps la symbolique de la sainteté de Dieu, avons-nous dit. Au total, le ciel n'est pas à prendre ou à considérer dans sa dimension physique. Non. Jésus n'est pas une fusée, encore moins un engin aérospatial. Le ciel est une parole théologique et métaphorique. Je ne dois pas m'attacher à la matérialité de l'événement, mais à sa signification profonde. L'ascension marque la fin de la présence physique et corporelle du Jésus historique dans l'histoire sur la terre. Bien-aimés, si tel est le cas, on comprend dès lors que dire que Jésus fut enlevé au ciel
Il fut emporté au ciel. Il fut élevé au ciel. Ou encore, il est monté au ciel. Signifie que Jésus est entré de plein droit dans la présence même et dans la sainteté même du Père. La sainteté même de Dieu. Il est issu du Père. Il est venu dans le monde. Maintenant, il quitte le monde. Il retourne auprès du Père. Il entre de plein droit dans la présence et dans l'intimité même du Père. Jésus a rejoint son Père. Il siège désormais à la droite de Dieu. Désormais, le Dieu que nous adorons doit être vu à travers ce que nous savons de Jésus de Nazareth. Et si vous voulez savoir qui est Dieu, alors regardez attentivement le Fils, le crucifié de Golgotha, le ressuscité du dimanche matin, le Christ glorifié. Regardez-les attentivement, alors vos yeux s'ouvriront, alors vous comprendrez. Bien-aimé, il est donc important de savoir que le ciel dénote toujours la présence de Dieu. Et si le ciel dénote toujours la présence de Dieu, on peut alors affirmer que là où est Dieu, là est le ciel. Là où est Dieu, là est le ciel. Là où se tient Dieu, là est le ciel. Et si Dieu est présent dans ma vie, alors le ciel commence déjà pour moi dans ma vie. Si Dieu est présent dans notre vie, alors le ciel pour nous commence déjà dans notre vie. Alors le royaume de Dieu est parmi nous. Bien-aimés, agissons et travaillons pour que le ciel pour nous commence aujourd'hui, ici et maintenant. Travaillons pour que le royaume des cieux commence pour nous, ici et maintenant, là où je suis. Ce message de l'ascension s'adresse d'abord à notre paroisse. Nous sommes le corps social du Christ. L'église qui est dans la paroisse réformée de Thionville est le corps social du Christ. Il est important, à ce titre, qu'on avance tous ensemble, en formation serrée, derrière le chef suprême de l'Église, le Christ glorifié. L'ascension nous invite à mettre nos pas derrière ceux du Christ pour atteindre la même destination que lui, la présence de Dieu, l'intimité même de Dieu. Personne dans notre paroisse ne doit rester en arrière. Travaillons alors pour que le ciel pour nous commence dans notre paroisse aujourd'hui. Travaillons pour que notre paroisse soit le lieu de la présence de Dieu. Mais le message de l'ascension s'adresse également à nos familles, à nos maisons, à nos foyers, à nos couples, à nos relations et à nos amitiés. Travaillons pour que ces lieux de sociabilité soient les lieux de la présence de Dieu. Travaillons pour que le ciel commence dans nos maisons. Travaillons pour que le ciel commence dans nos foyers. Travaillons pour que le ciel commence dans nos amitiés. Entre frères et sœurs, entre époux, entre collègues et dans au travail, entre amis, agissons pour que nos diverses relations soient porteuses des signes de la présence de Dieu. L'ascension, l'enlèvement du Christ au ciel, c'est-à-dire dans la présence et dans l'intimité même de Dieu. Voilà l'ascension. Là où est Dieu, là est le ciel. L'ascension nous invite à travailler
pour que là où nous sommes, là soit le lieu de la présence de Dieu. Travaillons donc pour que le ciel pour nous commence là où nous sommes. Il est conduisit jusque vers Béthanie et, ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il fut enlevé au ciel. Amen. Je vous prie de vous lever pour chanter avec moi mon cœur joyeux.
les annonce. Aujourd'hui, le fil rouge nous amène en Égypte. En Égypte, où le 26 mai 2017, il y avait un car avec des coptes, des chrétiens coptes, qui allaient dans un monastère pour fêter l'Ascension, justement. Et en route, ils ont rencontré des djihadistes qui sont montés dans le bus et qui leur ont dit « Soit tu te convertis, soit tu meurs. » Et un après l'autre, ils sont allés d'un siège à l'autre pour effectivement leur demander « Est-ce que tu changes de religion ou tu meurs ?» Et donc les personnes ont dit « Ben, moi je reste chrétien. » Et donc, il y a eu 30 personnes qui sont mortes dans ce bus. Et Nadia, qui était dans ce bus, a vu son fils et son gendre qui ont été tués comme ça. Et elle, miraculeusement, a été sauvée. Elle a été blessée, mais elle a pu rester en vie. Et donc maintenant, Nadia, qui souffre effectivement de ces manques qu'elle a, ben, elle a décidé de prier pour ceux qui ont tué toutes ces personnes. Et elle dit, à un moment donné, elle dit que pour elle, c'était quelque chose d'important de pouvoir prier pour ces gens-là, pour que Dieu les touche. Et sans le réconfort de Dieu, je serais devenue folle, dit-elle. Et Nadia montre un verset qui a beaucoup compté depuis, pour elle, depuis ce drame. N'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut détruire l'âme et le corps, et qui peut mener le corps en enfer. C'est dans Matthieu 10. Alors, les sujets de prière qui nous sont proposés aujourd'hui, c'est de remercier Dieu pour la foi et l'amour de Nadia, qui va jusqu'à prier pour les meurtriers de son fils. Prions Dieu de la consoler et de bénir son témoignage dans l'Église et auprès des musulmans aussi. Et prions Dieu de protéger les chrétiens égyptiens d'un nouveau drame. Pour revenir ici à Thionville, donc dimanche prochain, ça va être la fête de Pentecôte. Alors nous réjouissons vraiment de pouvoir être ensemble pour cette fête. Alors traditionnellement, il y a les confirmations. Hein. Ben, cette année, il n'y aura pas de confirmation. Non pas parce qu'il n'y a pas de confirmant, mais parce qu'on a décidé avec les parents et les familles que ce serait mieux de reporter, vu les considérations de Covid, etc., de reporter ça à un moment aussi symbolique, c'est à la fête des récoltes, le premier dimanche d'octobre, où là, effectivement, on pourra recueillir les fruits de ce catéchisme que ces jeunes ont fait et qu'on va pouvoir les présenter et les envoyer en tant qu'adultes dans notre communauté. Alors, la confirmation se fera donc en octobre et ça nous permettra à la Pentecôte de pouvoir nous réjouir de ce que Dieu nous a apporté à cette journée. Le Saint-Esprit, et c'est pour ça qu'on peut être en communion avec lui. Alors réjouissons-nous d'être ensemble pour ce dimanche. Autrement, dans la semaine, il y a l'ouvrage des dames qui se réunira et le groupe de prière qui se réunira en présentiel, donc au foyer Albert Schweitzer à 15h30 vendredi prochain.
Alors, on a parlé de l'ascension, et donc nous étions 25 au foyer Albert Schweitzer, 25 personnes qui ont participé à cette formation qui s'appelait Libérer, et qui nous a permis effectivement de rentrer un peu plus dans cette dans ce que Alexis nous a dit, c'est comment faire que soit possible que le règne de Dieu puisse être déjà avec nous ici, maintenant, dans notre communauté, dans nos familles et en nous-mêmes. Et donc ça a été une formation qui était vraiment très, très chouette. Les personnes qui y étaient ont beaucoup, enfin, il y a beaucoup de retours positifs de ça. Et on se réjouit vraiment parce que c'est un pas pour aller un peu plus loin encore. Alors nous aurons cette chance de pouvoir ensemble aller plus loin. Il y a un binôme de prière qui aura lieu tout à l'heure après le culte, s'il y a des gens qui veulent venir pour parce qu'ils ont un souci et qui veulent le remettre à Dieu ou une joie, il y aura deux personnes qui seront là et qui vous accueilleront, et si vous voulez partager ça, ben, ils le partageront avec vous en toute liberté et en toute sécurité. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Ô Christ, Sauveur du monde, Roi de la création nouvelle, viens régner sur nos cœurs et diriger nos pensées vers les réalités d'en haut, où tu sièges à la droite du Père. Tu es le Seigneur de l'Église. Accorde-lui tous les jours ta présence et que ton Esprit Saint la conduise dans toute la vérité. Soutiens de manière spéciale, par ta présence, ton Église persécutée en Égypte, où tes serviteurs, au sein de cette Église locale, sont sommés de renier leur foi au Christ Sauveur. Que la puissance de la croix et de la résurrection les rende plus que vainqueurs du fanatisme, de l'intolérance et de l'obscurantisme. Toute puissance t'a été donnée au ciel et sur la terre. Secours dans ta grâce ceux qui sont exposés au danger de l'âme et du corps. Garde tentation ceux qui sont menacés d'y succomber et donne l'apaisement de la foi à ceux qui sont inquiets et tourmentés. Soutiens le courage des opprimés, des sans importance, des prisonniers et des persécutés. Manifeste à leur foi ton pouvoir souverain en les délivrant de leurs afflictions. Révèle ta présence aux malades et notamment à tes serviteurs Pierre, Simon, Enrique, Frida et à tous ceux qui ont demandé la prière de ton église qui est dans la paroisse réformée de Thionville. Révèle également ta même présence aux infirmes et aux mourants. Que ta grâce les console et les fortifie. Tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps.
Garde-nous tous dans l'amour fraternel et aussi dans le service de ton règne. Seigneur, que ton règne vienne. Seigneur, qui intercède pour nous auprès du Père, reçois avec bonté les prières que nous te présentons dans la foi, toi qui es béni pour les siècles des siècles. Amen. Levons-nous maintenant pour dire ensemble la prière que le Seigneur nous a apprise. On y va. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Recevez maintenant la bénédiction de la part du Seigneur. Que la bénédiction et la miséricorde du Seigneur, par sa grâce et son amour éternel, descendent sur vous maintenant. Il vous bénit, celui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans l'unité du même Dieu. À lui le règne et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Allez dans la paix du Seigneur et chantons pour terminer le cantique au dernier jour. Dimanche et à dimanche.